Ségolène royale. Ségolène royale. Ma bagou, Ségolène royale, et à ma mamou, madame le ministre, à ma mouna pour Ségolène royale, et à mon chapeau de la Sintrecha, notre parapluie, Yerbanda. Maman ministre, nous te disons merci. Merci maman Chango. Je salue l'ensemble des reines mères et leur Iprem ici présents. Toutes les personnalités, toutes les femmes dynamiques, l'adoreux, qui est en rapport avec l'énergie solaire, parce que l'énergie solaire donne de la chaleur, mais donne aussi de la lumière. Et la lumière réchauffe les cœurs. La lumière, c'est la fraternité. La lumière, c'est la paix. Et la lumière, c'est le soulagement aussi grâce à l'électricité, les tâches quotidiennes.
Et ça, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à son excellence, Célestine Quecha Cortés, qui a eu l'origine de cette idée de maternité solaire, puis de chefferie solaire. Moi, je n'ai fait que faciliter les choses. Trouver le matériel, organiser la venue du matériel, mettre les personnes en interrelation. Mais l'idée d'origine et le travail au long cours, c'est Célestine Quecha Cortés, notre reine-mère. Et c'est le RIPREM, dont je salue les présidentes, les anciennes présidentes, les futures présidentes, les présidents honoraires. Parce que vous constituez un réseau extraordinaire à travers le monde aussi, et que vous êtes extrêmement vigilante, et que vous avez dit à un moment, vous êtes battue pour dire, mais si, au-delà des maternités solaires, il faut aussi apporter l'énergie dans les chefferies. Voilà, qui est fait. Dans quelques jours, nous sommes très attentifs, nous sommes venus aujourd'hui voir le chantier pour être sûr que ça avance, parce qu'avec le confinement, avec le virus, tout ça, ça avait pris un peu de retard, pardon pour ce retard. Et aujourd'hui, le matériel est retenu, parce qu'ils vont vous apporter l'énergie gratuite. Et donc ça se gère aussi, la gratuité, par rapport à la répartition de la force du courant électrique dans la chefferie. Et tout autour de la chefferie aussi, on peut parfaitement tirer des câbles autour de la chefferie. À vous de décider quels sont les besoins, l'inventaire des besoins. Nous serons très attentifs, parce que ces besoins, c'est vous qui les connaissez. Et c'est vous, avec monsieur que je salue, c'est vous, monsieur, et vous, le roi de la chefferie, et les équipes qui les entourent, et les reines-mères, qui allez pouvoir décider en toute autonomie de ce qui est important pour vous et de ce que vous souhaitez. Et c'est ce que vous souhaitez en sagesse qui sera appliqué. Voilà. Bonne continuation et vive la lumière. Vraiment, papa, j'avais pas de mots à dire. Mais comme le communicateur me surprend, je vais dire un mot qui sera que le mot de remerciement. Il n'y a pas un mot plus fort, comme l'a dit le maire, que le mot merci. Merci d'avoir écouté le cri des reines-mères. Merci à ma sœur, Mabad Group Ségolène Royal de la République, l'accord de Paris, la protection de l'environnement. C'est l'ensemble de ces projets qui vont permettre aux États d'être présents à l'évaluation et des ODD, 2030 c'est demain, mais aussi de l'accord de Paris qui est cet important accord qui nous permet de protéger l'environnement qui nous nourrit, mais qui peut nous tuer si nous n'en prenons pas soin. Africaine qui accueille pour la première fois une COP. Donc, c'est un mot de merci. Merci à toi, ma sœur. Merci à leur majesté d'avoir cru au RIPREM. Merci aux belles, merveilleuses, généreuses femmes du RIPREM qui le ménage et de leur temps. Et surtout, merci au président de la République. La COP des solutions qui était présidée par une lionne, la COP des solutions, le président de la République nous a permis d'aller avec les sacs des projets. Et c'est les fruits de la COP qui continuent à tomber jusqu'à aujourd'hui. Merci ma sœur, merci d'être au Cameroun, merci d'être à Bazou. Oui. Je suis très heureuse. Il n'y a pas de mot plus que ça. Donc je nous souhaite à tous un bon retour. Merci à leur majesté qui est venue d'autres chefferies supérieures. Et on l'a dit hier, c'est une femme de promesse. C'est l'ensemble des chefferies qui fera la force de ce beau projet. Et nous allons continuer à y veiller. Merci d'être venu accompagner votre frère. Que Dieu qui nous a amenés tous à Bazou nous ramène sans heurte pour que vive Dea Planète, vive la coopération France-Cameroun, vive le Cameroun et son très sage chef, le président de la République, son excellence Paul.
Ben, vous savez que l'électrification, l'énergie est un des besoins essentiels de l'homme. Non seulement dans, dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc réduire ce déficit-là, chez nous, est un élément très très important. C'est pour cela que nous sommes très heureux de recevoir Madame Ségolène Royal ici, accompagnée de sa sœur, Madame le ministre Menchangoup, pour engager ce combat là contre l'obscurité, contre l'absence de lumière. Et ce faisant, il accompagne la mairie, puisque ça fait partie du plan de campagne de la commune de Bazou, qui voudrait que nous ayons, dans les délais les plus rapprochés, une meilleure couverture énergétique de notre commune. Donc nous pouvons qu'être très très ravis de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et nous souhaitons tout simplement que ce projet puisse connaître des prolongations, non seulement au niveau des chefferies, mais pourquoi pas au niveau de la ville, et complétant ainsi le grand programme que le ministre de la ville, Madame le ministre, a réalisé récemment chez nous en nous fournissant plus de 80 lampes solaires. Ça nous a permis d'éclairer la ville, de chasser l'obscurité et combattre l'insécurité dans la ville. Voilà un peu ce que je peux dire concernant le don, le cadeau précieux que nous recevons aujourd'hui. Votre présence et surtout la présence de Madame la Présidente de Avenir, Madame Ségolène Royal. C'est un jour mémorable pour ma part et pour tout le royaume Bazou. L'énergie renouvelable que nous recevons aujourd'hui dans cette chefferie va transformer, va donner une nouvelle vie dans notre royaume et dans tous les royaumes des 13 villages du département du Ndé. C'est un événement qu'on ne peut pas expliquer. C'est une journée mémorable. On ne peut que dire très grand merci à notre Mabingo Ségolène Royal pour cet effort d'élan. Non, la lumière, je peux vous dire qu'elle doit être virtuelle. Elle ne doit pas voir le dessous de la chefferie. Ça, je peux vous rassurer. Mais ça va éclairer. Ça va éclairer le village. Parce que la chefferie doit être un lieu de développement. Et ça va donc booster le développement du village. C'est un peu la signification de cette lumière. C'est que la lumière va apporter dans notre chefferie. Merci. Merci. Ouais. 2-1-0. Le RIPEM se joint, s'il vous plaît. Les membres du RIPEM. Les RIPEMOises. Papa Manfred. Papa Manfred, s'il vous plaît, à la photo. Thank you.